Coucou tout le monde! Alors je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo. Sachez que je l'ai filmée, mais que mon téléphone me l'a effacée. J'ai eu un gros problème de téléphone, donc du coup en fait c'était très compliqué pour moi de faire des vidéos. Mais voici, là je vais faire en plusieurs étapes. Je suis obligée, je ne peux pas faire en une fois la vidéo sur le coussin. Donc une fois que vous avez fait votre patron, vous allez prendre votre tissu et vous allez mettre donc l'une des parties. Du patron du dessus sur une face de votre tissu. Donc vous épinglez bien. Une fois que vous avez épinglé dans le droit fil, c'est-à-dire dans le bon sens, là j'avais pas trop le choix parce que c'était des chutes de tissu, vous coupez votre tissu donc au ras du patron. Vous faites la même chose avec l'autre morceau, c'est-à-dire dans le même sens, enfin dans la même face. Donc vous épinglez bien comme sur le premier et ensuite vous coupez. Ensuite, vous prenez l'autre face du tissu. Enfin, moi, je prends l'autre face. Du coup, vous pouvez prendre une autre couleur. C'est comme vous le souhaitez. Vous posez votre patron sur le tissu. Et de la même manière, vous épinglez et ensuite, vous coupez. Une fois que vous avez coupé, vous désépinglez tous vos morceaux. Et là, ça vous fait vos trois morceaux différents. Vous les mettez de côté et on va passer à l'arrière du coussin. Alors moi, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un patron entier, sauf que je n'avais pas de tissu assez grand pour pouvoir le faire en une fois. Alors j'ai décidé de le faire en deux parties. Le dos, je vais le faire en deux parties. Donc je plie mon patron. Ensuite, je vais rajouter des coutures. Vous posez votre tissu. Donc si vous l'avez en une fois, vous posez votre patron et vous coupez votre carré. Enfin, vous épinglez et vous faites votre carré. Si vous n'avez pas assez de tissu, vous faites comme moi. Vous posez votre patron sur votre tissu. Donc que ce soit bien droit. Et une fois que vous avez posé votre patron, on va rajouter les coutures. Une fois que vous avez bien épinglé votre patron, vous allez rajouter 1,5 cm de couture pour pouvoir faire une couture au milieu et avoir votre coussin qui fera 25 cm. Donc là, je rajoute les 1,5 cm de chaque côté et ensuite, enfin, et au milieu aussi. Et ensuite, vous allez tracer votre trait. Une fois que c'est fait, vous coupez à ras de votre patron et sur le trait que vous avez tiré. Ensuite, vous désépinglez et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre morceau que vous avez et vous allez le poser sur un autre tissu pour pouvoir faire l'autre côté. Donc là, je fais un peu de propreté parce qu'il y a des fils qui dépassent. Vous prenez votre tissu, vous posez. Et ensuite, vous épinglez et vous coupez.
fois que vous avez fini, vous désépinglez et là vous allez vous retrouver donc avec tous vos morceaux que l'on va coudre par la suite. Donc là, moi j'ai deux dos, peut-être que vous en avez que un, et vous avez vos trois morceaux de devant. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour le montage du coussin.